On est dans la page Shin Tet Vav dans le livre de Shabbat Alacha Yud Zayin. On est dans les Dvarim She'asure Mishum Oel. Mutar la tête ma pa la shulchan be Shabbat. Gam im ma pa yoredet zeshule shulchan venesa ki venirei ki ose Oel. Vafilu im ma pa magia samuch laaretz me'achar ve'eno tzarich la'avish shetachtav. Le dit le Rav. C'est permis de mettre une nappe Shabbat sur la table, même que maintenant la nappe, elle descend des côtés de la table. Soit disant, c'est comme il fait un Oel. Okay. Il me dit, le Rav, il n'y a aucun problème, parce que tu n'as pas besoin maintenant de l'air qui est en dessous de la table. Ou t'as les fois smicha, okisui mita. Il dit, amut shin tet vav, non? Tet gim, taf Siman shin tet vav, amut Tav Gimel. Muta lifos smicha o kisui. Mita ala mita. Gam im smicha o kisui yodim letfanot ma'alim tar ala mita. C'est muta de mettre la couverture sur le lit. Et même si maintenant la couverture elle descend des deux côtés. Et soi-disant ça fait comme une tente. C'est muta. מותר להניח ספר אחד מכאן וספר אחד מכאן וספר שלישי לגביהן שהואיל ולא צריך להעביר שתחתיהן אין זה חשוב לאוהל. Si par exemple il y a deux livres, un à côté de l'autre, par exemple. Bien, on va faire le cas suivant. Voilà, il y a deux livres. Et maintenant, il met entre ces deux livres un autre livre. Bien, on va dire comme ça. Bien. Il fait comme ça, soi-disant, ça c'est la tente, le livre qui est en haut, il fait une tente provisoire, quand même, ça ne s'appelle pas Oel Veze Muta. Ok? Vechen Muta Lechasot et Akeli Bekisui Shelahem. Vechen Lachouj Veze Le Oel. Vechen Muta Lechpot Keli Almine. Maachal ou Mashke, Kedel le Shomam ibn Ahama. Il dit le Rav, c'est aussi permis de couvrir les kelim, les ustensiles, avec le couvercle, l'ustensile. Il a une grande boîte, il couvre, il n'y a aucun problème. Ça ne se met pas au N. Aussi, c'est moutard, aussi, de l'Ikhfot Keli al Mine, Maachal ou Mashke, Kedel le Shomam ibn Ahama. Si par exemple tu crains que le soleil va taper sur le manger, tu peux recouvrir par exemple avec une grande assiette. Ça ne fait pas Oel. Mouta la raziat agdera al gabi akira. Avant, le feu il était comment? Il était d'une façon, c'était une kira. Une kira c'était quelque chose qui était carré avec deux trous. Et en bas on mettait les braises. Et quand le bonhomme lui prenait sa marmite, il mettait sur le trou, il bouchait le trou, ça s'appelle qu'il faisait un Oel, une tente, quand il bouchait en haut. Il nous dit le Rav, il y avait aucun problème à l'époque de faire ainsi, avec toutes les conditions pour. On parle que lui, quand il a pris déjà de sa tefina, qu'elle aimait boucher le col sur corps, et il. Hein? Ayen Ishnaboura. Ouais. Et la Chayel de Yoma. Ken. C'est pour cela, mais de nos jours, il n'y a pas ça. De nos jours, il n'y a pas une plaque pareille, comme on a qu'il a un trou. Aujourd'hui, il n'y a pas d'espace. Mais là, il n'y a aucun problème de Oel. Parochet, Shelifne, Aaron HaKodesh, Moutar et Fata Beshabbat, ou Bilbad, Shadai Asse, Oel, Bagag, Tefach. Yahinu, Shaparoch, Lodit Kapel, Vetichapel, Lerochva, Tefach, Beshah, Shetor, Leota. נמצא ועושה אוהל בגג טפח, לכן יש להתלותה על ידי שני אנשים כאחד שלא, כדי שלא תתקפל. וסבל הפרוכת, כמה נומי ובאת הפרוכת, יעקום פרובלם. אז כזה רידור כמסה. ומילה, ינדיד לו רב, יעקום פרובלם לבאת לפרוכת שבת, לא לא יחל. מאיפה פרד עושה, כל מי מלא פרוכת, מי מהם סול, כן? הלו, לפת קילמה, ילפס ודיזון הרסות דה אוהל. Et là, ce sera à sourd si l'Oel, il est un tefah. Mais s'ils font, ils mettent la parochette
deux personnes. Là, on voit qu'il y a encore un problème, ils ne font pas un tefar de Oel. Un tefar, c'est vite fait, hein, c'est 8 cm. אסור לפתוח מטריה ולנוסה עליו בשבת להגן מפני החמה או הגשמים. אפילו הייתה מטריה פתוחה מערב שבת אסור לנוסעה מעלה ושבת. הפרפוי זה אסור דה לובריר שבת, כן? סימנו אילה שור ופעולה פלוי אלה פורטי סורטואה. ומם סימנו אלה תעוברת לבית לשבת זה פרפוי לה. אלה תעוברת. זה אסור דה לפורטי. מנו... Ah, à l'idée gauche, il y a un mitri à Vincent à la. Comment? C'est de porter. Aussi de porter, badaï. Même qu'il est ouvert BRF Shabbat, c'est à source de porter, même qu'il y a un hirou. La main est mouxé. Aussi, il est mouxé. Un. Et deux, c'est OL. Il fait un OL. Ah. Mais non, si le goy, lui. Comment tu as dit qu'il y avait une ligne? Comment? L'OL. Oui. כן, כן. הוא צריך את האוויר, ודאי שהוא צריך. להגן עליו. זה נקרא, צריך את האוויר. כן. נו, סי ספרפלוי ליטי דשא עובר, הוא שלגוי כל מי כאילו עובר לפרפלוי. כן. הלא יונה כיסו מכלים. לי יבחר לבר הפלוי פול מי מם. כן. אה, תשיבה וכלוי על השול. קוניה אירוב. Quand il n'y a pas de roue, elle n'est pas rasée. Parce que le goy ne peut pas faire un issou Torah pour toi. Et quand je suis comme chez un chameau, je me dis, je les sors, les siat, la mitria. Quand il n'y a pas de roue, c'est sûr qu'il faut interdire de prendre le parapluie. Quel le Shabbat, les chola de haute. Quel que le goy lui prend. Les gars, Michoum, dit tout. Même que toi, toi, tu veux le prendre, par exemple. C'est un sou. Pourquoi? C'est titul, Meshut Amim, c'est Mouktsé. Un, c'est Mouktsé. Et deux, il n'y a pas d'Irou. Tu es métal-tel. La dernière halakha, au niveau de Oel. Habit Sheesh Bayain Omaim. En Venam Elea Legamre. Ela Yesh Bachalal Tefach Rek Minayain O Amaim. Asul Lishtoach. עליה בגד בשבת לחסותה דעבר כעושה אוהל וכן כעף עוברה וכן אם היה שטוח עליו בגד אסור להסירו דעבר כסותה אוהל alors une cruche une grande cruche on parle que cette cruche elle est ouverte en haut toute ouverte c'est pas un trou toute ouverte maintenant il y a une partie vide si tu mets une couverture tu recouvres, ça s'appelle que tu fais un OL. Il faut 8 farim en dessous, non? Hein? Il faut 8 farim en dessous. Pourquoi 8 farim? J'ai pas besoin de 8 farim. Non? Mais il y a un chiant minimum pour construire. Voilà, un tefar, il y a un tefar. Un tefar, c'est un OL? Un tefar 8 cm, il veut dire. Ah, 8 cm, oui, voilà. Ah. Si maintenant il y a. Non, s'il y a un espace de 8 cm, qui manque 8 cm, qui ne sont pas remplis. Exactement. Parce que s'il y a moins de 8 cm entre le haut et le chiot, ça dépend. On verra. On verra si vraiment tu as besoin de cette terre-là. Peut-être aussi, ça sera à sourd. Pour l'instant, le rab, il dit rien. C'est ça, il dit le rab, si maintenant il y a un espace que quand tu couvres la cruche, okay, tu as besoin de l'air, va dire que ça c'est à sourd. Il dit le rab, et ça c'est assourd de couvrir cette cruche là parce qu'il y a un espace. Même si maintenant elle était fermée cette cruche là maintenant avec à cause de tu veux pas que les moucherons qui tombent dedans, c'est assourd aussi de enlever toute la couverture. Maintenant, si tu veux enlever un peu et prendre ton vin, peut-être c'est permis. Peut-être c'est permis. Le rabbi dit rien. Si maintenant, le kissou, le couvercle, il était fait pour la marmite, pour la cruche, et tout le temps il faisait ainsi, c'est-à-dire que cette couverture-là maintenant, elle est pour la cruche,
Il te dit, l'homme Oel Moutar. Et ça ne s'appelle pas que lui qui fait Oel, et ça c'est Moutar. Ça veut dire que si le bonhomme, lui, il avait une cruche, et il y a un vide, c'est pas, on ne parle pas que le vin, il est plein, la cruche, elle est pleine. Si la cruche, elle est pleine, elle n'a aucun problème. Il n'y a pas Oel. Mais si maintenant, la cruche, elle manque, et lui, maintenant, il y a la couverture en haut, ça c'est Oel. Maintenant, si elle est faite pour cela, c'est le kisui, c'est un kisui. Comment on dit kisui en français? Le couvert. Voilà, le couvert. Le couvert d'affaires de cette habit-là, là, c'est bon. C'est moutard. Si c'est le couvert de cette cruche, c'est moutard. Maintenant. Le kilo qui fait, c'est si c'est le bon qui souille ou c'est pas le bon qui souille. Pas le bon, à Kabana. Le qui souille de la cruche. Mais il n'est pas mal sur les 8 cm ou pas sur les 8 cm. Pour l'instant, il ne parle pas. Maintenant, on est dans Siman. Hein? Tu te rappelles notre Mishnah? Laquelle Mishnah? Il y a des béchamis. Non, alors? Pour couvrir les cruches de gaïn et de chemin. Tu te souviens? Et alors? Il n'y a pas de trilou dans notre Mishnah. Tu veux emmener du Mishnah qu'on parle maintenant d'autre chose? Un raïa pour ici. De toute façon, tu peux parler là-bas c'est que déjà aussi. C'est. Tu peux dire que là-bas on parle du kisou, c'était le kisou qui est miyuhad bipnea geshami. Miyuhad pour la cruche. Mais là, il n'y a aucun problème. Le rabbi a dit, si c'est miyuhat, avant, quand tu as le couvert, il n'y a aucun problème. Mais si maintenant, t'as pas le couvert, c'est pas le couvert qu'il est pour la marmite, ça c'est un problème. Pour la cruche, ça c'est un problème. C'est ça le chilouk. C'est avec Kassadi, rappelez-moi. C'est avec Kassadi. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'il a dit là-bas, la Mishnah? Mouta. Parce que c'était pour cela. Non. C'était le fils. Non. C'est dans la Mishnah, c'est pas écrit Sadin Stam. Sadin. Namjir. Maintenant, on est Siman Shin Tezain. Le rabbi t'a donné. De toute façon, la Mishnah, on n'emmène pas la Mishnah pour objecter dans la halakha. S'il y avait Ohel, la Mishnah n'aurait pas été écrite comme ça. Non. Tu peux dire. Acha Bema Yaskinan, B. Kisou Shelaer. Ça va? Non. Quel ça va? Non, parce qu'avec ce même sadine, on couvre aussi les pierres. On couvre aussi tout ça, les cravites, de miel. Avec ce même sadine. Le hilouk, il est comme ça. Si c'est son couvercle à lui, c'est mouta. Si c'est pas son couvercle à lui, ça s'appelle qu'il fait Oel. Non, pas Mirzé. Ne trompe pas. C'est pas Mirzé. C'est Asiyat Oel Aray. Il dit Mirzé, rappelez-vous. Où tu vois Mirzé? Il dit ça. Où toi? Nous, vas-y. C'est Marie Tenaï. Non. Chavit, Chesh, Bayaïn, Omaïn. Vename, Léa, les gamouets. Ella. Yeshba, Halal, Tefar, Rek, Minayaïn, Omaïn. Assou, Lishto, un peu, tu vois, Mirze. Deve, Kéosé, Oen. Qui? Nous, c'est la Mirze. Toi, tu dis Mirze. Kéosé, Oen. Autre part. Regarde la différence entre toi et qu'est-ce qu'il dit le rab. C'est pas Mirze Oel. Ça s'appelle qu'il fait comme une tente. C'est pas une tente. Il fait non, pas c'est pas une tente, mais pas Mirze. Mirze, toi, ça veut dire que ça fait montrer comme, mais c'est pas. Ici, c'est le Issou. Le Chachayin Gazroual Oel Arai Mishum Oel Vadai. Ça, c'est pas une tente, ça. Mais Aval Chachayin Gazrou Oel Arai. Qu'est-ce que ça veut dire Oel Arai? Quelque chose qui est provisoire. Une tente provisoire. Chachayin, ils ont interdit. De peur que le bonhomme, lui, il va faire un Oel Mamash. S'il va faire une tente Mamash, ça c'est Issou Torah. Maintenant, Oel provisoire, une tente provisoire, ça c'est Issou des Rabbanan. Et de toute manière, il y a les cas suivants qu'on avait vus, ça s'appelle, il fait Oel Arai. Ok? Et c'est pas Mirzé. C'est la différence entre Mirze et Nir Akemo. Ça, c'est Nir Akemo. Mirze, c'est Nir Akemo. Ici, ça s'appelle Keoseoel. Comme il fait Oel. Mirze, c'est par exemple quelqu'un que lui qui étend le linge. Pourquoi il étend le linge? Mais il n'étend pas le linge pour étendre le linge. Il n'a pas lavé. Lui, il est tombé dans l'eau. Il prend son linge, il le met sur la chaise. Shabbat. Est-ce que c'est Moutar ou Assou? Là, ça s'appelle Mirze Kemo Kibes. C'est comme que lui qui l'a lavé. Mais il n'a pas lavé.
Mirza, ça veut dire qu'il a, il a une apparence que lui, il a lavé. Mais il n'a pas lavé. D'accord ? Il fait comme une tente. Parce qu'il fait la tente. Ça s'appelle une tente. Enfin, c'est comme une tente à rail. Parce qu'il a besoin de l'air. On peut dire que dans notre Mishnah, à ce temps-là, les Hakamim n'avaient pas gazrou sur le Oel Haraï. Du temps de notre Mishnah, du temps de la Mishnah qu'on a étudié, le Zadi, on peut recouvrir les Khavit de miel et les cadres de Yaïn et de Shemen. On peut dire qu'à ce moment-là, à cette époque-là, les Hakamim n'avaient pas gazrou sur le Oel Haraï. Non, gazrou. À ce moment-là, okay. Au moment d'écriture où ils ont écrit la Mishnah. Après, ils ont. Je veux dire que ça veut dire que c'est des exerts très rishonim, c'est les rishonim. On est là, je suis chez les rishonim. On est chez les l'ifné. Donc, on continue. On est maintenant dans Siman Shin Tet Zain, Seda, Beshabbat, Bedin, Hovel, Beshabbat. Vas-y, Seda. De chasser, Shabbat ou de. Piché. Non, Hovel. Hovel, ça veut dire de faire une Chaboura. Une blessure Shabbat. Roche et Minon, ils sont d'assaut les soudos de Shabbat. Les Hayavim, Allah, Mishuma, Vinachash et Sida. Aval, Imen, Minon, ils sont pas tout. Aval, Assou. Les cas où Vim, Afen, Afshen, Minam, ils sont dim. Assou, Mida Rabanan, les soudans de Shabbat. Colche et Minon, ils sont. Vas-y, Colche et Minon, ils sont. Toutes choses que sont derrière, c'est. Toutes choses que. On a l'habitude de le sacher, de chasser. Alors, c'est assur de le chasser. Exactement. Et un homme qui le chasse, ça s'appelle qu'il fait une av melacha de la Torah et il est hayav, le fait qu'il a chassé la chose qu'on a l'habitude de chasser. Okay? En général, il y a les 8 shatsim. On verra les liens de Haboula ici, mais non. Dans Aval, Im en bemino nitsod, comme le Haylazod nitsod. Aussi, on avait besoin du Haylazod. Un homme qui est tsad de Haylazod, il sera chayab, parce que c'est bemino nitsod. Aval, Im en si maintenant de cette bête-là, on n'a pas l'habitude de la chasser, alors il n'est pas chayab de la Torah, mais il est. Pas tour de la Torah, il est assoumis des Rabbanan. C'est pour cela, les mouches, un homme qui chasse une mouche, il n'est pas hayav de la Torah, mais il est assoumis des Rabbanan. Okay? Très attention dans ça, ça va vite fait. Le bonhomme, il est là avec son verre et il fait comme ça. Il recouvre la mouche. Il chasse. Il fait Issou de Rabbanan, Hachem Yishmor. Ça va vite. Azakobo.